Tragique accident de circulation sur la Nationale 1, bilan lourd, 17 morts. Dans ce journal, le communiqué officiel du gouvernement lu par le ministre de Transport, Ernest Pau Epiga, que nous écoutons. Le gouvernement de la République a le regret d'annoncer que ce matin, 6 août 2016, aux environs de 3 heures sur l'axe Oyan-Kango, un accident de la circulation s'est produit entre un minibus de marque Toyota Yas et un camion de marque Mitsubishi Canter. Aussitôt informé de cette situation, les premiers secours ont été déployés sur le site et le bilan est de 18 morts. Les dépouilles ont été transportées vers les maisons de pompes funèbres de Libreville. Les circonstances de cette tragédie étant non élucidées, une enquête sera diligentée par les services compétents des ministères en charge de la justice et de la défense nationale. Le gouvernement de la République présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées et les assure de son soutien moral. Par ailleurs, le gouvernement de la République rappelle aux usagers de la route, et particulièrement en cette période de grand départ, l'observation des règles élémentaires de sécurité routière. Je vous remercie.